et bienvenue sur le plateau du Big Deal Bill, tu vas bien? Bien, mon ami Vincent, tu étais très beau sur cette moto, mon ami Vincent. Oh, c'est pas tant la moto qui est belle, c'est surtout moi qui en jette. C'est ce que je voulais dire, mon ami Vincent. Tout de suite, vous êtes désagréable. Amis téléspectateurs, il est 19h, raccrochez votre téléphone, dans quelques instants, ça va chauffer. Ça va sonner, ça va chauffer aussi. Vous avez la possibilité de gagner beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent. Et on va faire une émission un petit peu spéciale ce soir. C'est les 100 ans du Mondial de l'Automobile. C'est l'inauguration ce soir à la porte de Versailles. Et comme vous savez que l'automobile est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, tout comme la mécanique, eh bien, on a décidé de faire une émission spéciale automobile, et vous verrez que des voitures, vous allez en voir des belles, des très belles, des très rares. Et ça va être une émission qu'on va décerner à tous les amateurs et les collectionneurs de voitures. Non, parce qu'il y a des enfants et c'est pas donner une image. Parce que tout de suite, ils vont se dire oh putain, la gaffe, il fait un métier difficile. Nos amis les gaffettes et les émissions spéciales automobiles. Je vais demander à notre ami Killer de venir récupérer cette merveilleuse Harley. Une pièce de collection, une pièce rare. Merci, mon beau. Voilà, un biker sur un... Voilà, voilà. Tu veux la doc ou... Voilà, c'est... Mesdames et messieurs, 5 deals, un big deal. Et je vous propose tout de suite de commencer le premier deal avec Christophe qui va se retrouver confronté à ma voiture. Christophe pour le premier deal. Quelle ambiance! Bonsoir, ça va, Christophe? Ça va? Bonsoir, Bill. Bill, Christophe? Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Et nous viennent d'où, cet accent? Axeltherme dans l'Ariège. D'où ça? Axeltherme dans l'Ariège. Axeltherme dans l'Ariège. Sans déconner. Vous êtes marié? Non. Vous êtes fiancé? Oui, presque. Ah, pas encore? Non. Vous n'avez pas conclu encore? Non. Voilà. Vous lui avez parlé quand même, déjà? Oui. Voilà. Et dans l'ensemble, elle est plutôt partante, elle? Oui. Très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis mécanicien. Ah, ça m'aurait étonné. Je vous propose de jouer avec une voiture extraordinaire. C'est pas ma voiture, mais le jeu, on l'a appelé ma voiture. Et donc, mesdames et messieurs, voici ma voiture. Oh non, oh non, oh non, oh non! Oh non, les filles, vous déconnez là, non! Oh non, c'est trop! Aïe, 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 aïe! Bien, alors, rappelez-moi votre prénom. Christophe. Christophe, Christophe, voilà une voiture, une très belle voiture. D'époque. Et le problème, c'est qu'il y a un petit malin qui m'a passé du blanc d'essai tout partout. Alors, on va vous donner... bougez pas, ça va, ça va. Oui, on va aller chercher un seau, deux éponges et une blouse également, parce que le blanc d'Espagne, ça pourrit. Alors déjà, dans un premier temps, vous avez gagné le tablier. Un bill, on fait cadeau du tablier. Oh bah c'est d'accord, d'accord, voilà. Si tu tenez, veux. Mettez le tablier. Ça coûte pas, déjà, voilà. Alors ensuite, vous avez deux éponges un peu humides, hein, légèrement humides. Vous allez frotter la voiture. Hein, vous allez, mais la frotter, pas, oui. Pas la... tu vas frotter. Et sous le blanc d'Espagne, à certains endroits, il y a des stickers collés sur lesquels sont inscrits, tout du moins sur lesquels est inscrit le cadeau que vous pouvez gagner. Il y en a plein partout. C'est à vous d'être le plus rapide parce que Bill, il y a combien de temps pour cela? Il y a 10 secondes, alors tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. Mais encore. Bon ben, je vais rajouter un petit peu, alors 1 minute 30. Voilà, 1 minute 30. D'accord. Ok, d'accord. On est prêts? Attention, jeudi 3, jeudi 2, jeudi 1 pour 1 minute 30. Top, c'est parti, allez-y. Et tu frottes, frottes, frottes cette boîte. Tu sais qu'il fait pas semblant, lui, hein? Oh là, ouais, voilà. Une paire de housses voiture, Bill. Eh bien, c'est un cadeau superbe d'une valeur de 459 francs. Nous avons également une bombe de peinture. Oui, alors ça coûte pas cher. 83 francs, je l'aime bien, lui. Ouais, 83 francs, allez-y, allez-y, allez-y. Ouais. Ah, un ordinateur de bord. Non, mais non, non, c'est, non, 21 000, non, je suis pas d'accord. Un lot de cartes routières. Oui, très, très bonne idée, 143 francs. Et il frotte velu, lui, hein. Un poste radio CB. Oh là 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 là. Oh là là. Le poste radio CB. Sidi ou Sibi? Sibi! Ah bon, d'accord. Alors, 10 250 francs. Une paire de loukaïs de soleil. 540 francs.
Une canne anti-vol. C'est qui va tous les 132 faire. Francs. Et t'arrêtes de lui dire où il se trouve, les étiquettes. Une montre chrono. Mais non, mais c'est bon, 4900 francs. Combien de temps il reste? Il reste 36 secondes. Pour l'instant, notre ami Christophe a gagné pour combien? 37 072 francs. Combien? 37 072 francs. Non, pas. Non, attends. 37 000? 30, oui, 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 tu l'as bien entendu. Alors, ce plein ne me force pas à répéter. Attends, ça. Tu peux répéter pour combien il y en a là? 37 512 francs. J'ai pas compris. Non. Il y en a pour 3 patates et 7 000 francs. Arrête, Vincent, oui, il y en a pour 3 patates, je meurs. Christophe, vous venez déjà de gagner pour 37 000 francs de cadeau automobile. Il vous reste encore 36 secondes. Vous avez la possibilité de terminer et de gagner encore ce qu'il y a sous la peinture parce qu'il y en a encore. Ou alors vous laissez tout tomber, vous prenez le rideau. Non, je continue. Ah bah oui, à 37 000 balles. Vous gardez, vous continuez. Vous continuez. Oui. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Derrière le rideau, il y avait un magnifique séjour à New York et que vous auriez dû prendre parce qu'il me coûtait que 24 000 francs. Ça, c'est pas normal, vous auriez dû prendre le rideau parce que pendant 7 jours, regardez l'écran, vous auriez vu New York, les États-Unis, Broadway, Frank Sinatra, les taxis jaunes, les téléphériques, 24 000 francs et il me coûte 37 000, bon, les boules. 37 000, il vous reste 36 secondes. Oh. Si vous nous les attrapez tous, ça sera la première fois que ça se passera dans le Big Deal. Ok. D'accord. Je vous sens chaud là. Tu sais qu'elle est pas fière la peinture. Vous voulez changer d'éponge? Oui, je vais changer. Ouais, changer d'éponge. Heureusement que vous avez filé un tablier. La prochaine fois, on filera des pompes aussi. Hein. Allez, on est reparti pour 36 secondes. Top, c'est reparti. Allez, roule. Un lot de Rustine. Oui, le lot de Rustine, bon, ça va, 74 francs. 74 francs. Frottez bien partout, Christophe, il en manque là. Voilà, ici, un autoradio CD. 10 250 francs. Ah d'accord, j'ai compris. Un lot d'enjoliveur. 859 francs. Cherchez bien, le capot, je suis sûr qu'il en reste encore. Alors, on y est presque, on y est presque. Alors, on y est presque. Je suis sûr qu'il y a des endroits que vous n'avez pas frotté. Il a tout gagné sur le capot en entier, vous l'avez pas fait le capot. Combien de temps il reste? 4 secondes. 3, 2, 1, stop. Terminé. Terminé, mon ami Vincent. Wow. Un autoradio CD. Je crois qu'il a tout gagné. Un lot d'enjoliveur. Une canne anti-vol. Une montre chromineur. Une montre chronomètre. Une paire de lunettes de soleil. Un poste radio CB. Un ordinateur de bord. Un lot de cartes routières. Une paire de housses voiture. Une bombe de peinture. Il a tout gagné! Bravo. Super. Merci, merci Bill. Yep. Ça me fait vraiment plaisir de... Non, vraiment, ça déconne, vraiment, vous êtes un ami... Il y en a pour combien? 41 000 francs. Ah là, il a les boules, hein. Là, vous venez, mine de rien, de nous embarquer pour 4 patates de matos. Je suis côte d'âme. Non, je serai à votre place, vous diriez, je regrette, mais je suis quand même content d'être venu. 4 pas, 41 000 francs, qu'est-ce que vous faites? Vous les gardez ou vous les échangez contre le rideau? Je les garde. Je les garde. Vous les gardez? Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Derrière le rideau, il y avait une balade, une ceinture, une valeur de 99 francs. Oh. Bien, Christophe, vous êtes un très beau gagnant. Là, l'émission part très fort. J'espère que tout le monde aura votre chance. Le tablier, il est à vous. Vous passez par l'escalier. On se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Merci, Christophe. Merci beaucoup. Bien, allez, tout de suite, sans plus attendre, on convoque Anne-Marie sur le plateau pour le top 3. Anne-Marie. Ça va, Anne-Marie? Je vous embrasse. Très bien, très bien. Content d'être avec Bonjour, nous. Bonjour, Bill. Bonjour. Ah oui, non, mais là, il fait la gueule parce que déjà, on lui a marqué pour 40 000 francs de cadeaux. Plus de 40 000 francs de cadeaux. J'espère que vous aussi, vous allez prendre plus de 40 000 francs de cadeaux. Oui, faites quoi dans la vie, Anne-Marie? Une petite retraitée. Ah, et vous faisiez quoi à l'époque? Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous travailliez dans quoi? Vous étiez dans la police? Non. Vous étiez contrôleur des impôts? Oui, sortez. C'est ça, vous travaillez aux impôts? Oui, Vincent. Et vous le regrettez? Oh, amèrement. Amèrement. Oh. Non, non, non. Non, Anne-Marie. Je regrette, Anne-Marie, voilà, Anne-Marie devant la France entière dit je regrette d'avoir passé combien de temps? Combien de temps? 35 ans. Au service des impôts. Vous êtes mariée? Et vous avez des enfants? Deux qui sont mariés. Ça me fait 4 enfants parce qu'ils sont enfants à part entière pour moi, mon gendre et ma bru.
Ah oui, c'est comme vos enfants. Quel bonheur d'avoir des beaux-parents comme ça. Et j'ai 3 petits-enfants, c'est les plus beaux petits-enfants du monde. Oui, c'est évident, quand c'est les siens, c'est toujours les plus beaux. Ouais, ouais. Vous aimez chanter? Un petit peu. Vous avez envie de chanter quelque chose, là? Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se fasse? Eh bien, je voudrais chanter Stone de Starmania. Ah. Allez, on se fait Stone de Starmania. Stone, le monde est Stone. Je cherche l'oreille au milieu de la nuit. J'ai la tête qui éclate. Non, je voudrais seulement dormir, ah non, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Et me laisser mourir. Mais c'est pas celle-là que j'appelais moi. Hein. C'est le deuxième couplet, hein, c'est pareil. Vous connaissez, approchez-moi un petit peu, ouais. Anne-Marie, vous connaissez Ramucho? Ah oui. Vous n'avez Dieu que pour Ramucho? Ah oui. Eh, j'ai monsieur Ramucho! Allez, ah, maman. Ah, laissez la tête, laissez la tête. Voilà. Oh là là. Salut, salut Ramucho. Salut tout le monde, les gens. Bonjour, Ramucho. Salut, mon petit Vincent. Bonjour, les gaffettes. Vous allez bien? Salut, salut, mon mobile. Tu vas bien? Pas bien. Qu'est-ce qu'il a? On a perdu 4 patates. Ah d'accord, je comprends, remarque, moi aussi ça m'a coûté 4 patates au salon de l'automobile, c'est pas mal hein. Mais vous avez acheté que l'autoradio finalement. Oui c'est ça, non, et puis ça c'est un accessoire. Mais ça en fait quand j'ai dit que je l'ai eu, en fait je l'ai pas eu en l'achetant, je l'ai eu en le volant. C'est de pire en pire, mesdames et messieurs, nous sommes à la limite de l'affligeant. Je vous en prie, venez à mes côtés, Anne-Marie, vous connaissez le principe de ce jeu? Oui. Si vous découvrez ce qu'il tente d'interpréter, eh bien vous gagnez chaque fois un cadeau. Et si vous, malheureusement, vous ne trouvez pas, eh bien, vous choisissez le cadeau et puis vous lui faites... OK? OK. Allez! Le Connemara. Le Connemara. Au printemps de mai, le ciel irlandais était français. Marine a chanté, Marine a dit, Marine a dit oui. Le manque. Bon, on va pas la faire en entière. Un coup à se péter une corde, ça. Choisissez un cadeau, c'est gagné. Le bleu. Le bleu. Venez, 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 allez-y, ouvrez, ouvrez, je vous en prie, allez-y, allez-y. C'est la boîte à cornichons, celle-là. Regardez. Oh. Oh. Extraordinaire. Super, je suis vraiment content, vous avez gagné un lecteur de mini-disc d'une valeur de 2500 francs. Ah, c'est très bien. Normalement, d'ici la fin de l'émission, on lui fait péter un boulon au Tamagotchi, là. Oui, oui, oui. Voilà, allez, on s'en fait un autre? Oui. Allez, Anne-Marie, Ramucho, un autre, s'il vous plaît. Voilà, un truc qui passait par là. Comme un ouragan. Oui, oui. Comme un ouragan qui est passé sur moi et qui a tout emporté. C'est vrai parce qu'on défend souvent la chanson française, mais on ne défend pas le vocabulaire des chansons françaises. Parce que quand on écoute bien, c'est comme un ouragan qui est passé sur moi et qui a tout emporté. Je vais laisser un cadeau à Marie, c'est encore gagné. Le rouge. Le rouge, petite ma mère avec ses petites côtes, elle les a fait toutes seules avec ses petites mains potelées, hein. Et puis elle a mis la tête dans le four à micro-ondes, là, hein. Un voyage. Super. Et la joie, tout le monde est extraordinairement content. Je suis éclaté de bonheur en vous offrant ce séjour en Andalousie d'une valeur de 13 500 francs. Il a les boules, il va nous péter une bielle. On s'en fait un dernier? Bah oui. Allez Anne-Marie, on nous fait le sans faute. Ramucho? Oui. C'est une poupée? Qui fait non, 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 non. Ouais, ouais. Non, non, non. Polnareff. Michel Polnareff, la poupée qui fait non. Mais il est détruit. Il est déchiqueté. Allez, mon bon Bill. Oh, une fois n'est pas coutume, ça fait combien de temps que t'as pas perdu d'argent? Ça fait très longtemps et c'était très bien comme ça. Ça équilibre. Allez, choisissez un dernier cadeau, le orange ou le jaune? Allez, le orange. Le orange. Allez. Oh.
Ça. Ah oui, vous l'avez gagné. Je suis content. Il est content, Bill. Vous l'avez gagné, le plateau de Bill. Et c'est mon plateau à moi. Et vous l'avez gagné avec mes bonbons, le caramel de Bill. Ça vaut 200 francs. Donc, en tout et pour tout, vous avez gagné pour 16 192. Oui. Alors, des sacs de bonbons, un Walkman et un voyage. Où ça, le voyage? Où ça, le voyage? En Andalousie. En Andalousie. Vous connaissez l'Andalousie? Un petit peu, mais oui. Toujours. Vous y retournerez avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez votre voyage ou vous allez changer contre le rideau? C'est vrai? Ah, oui. Et si je pouvais dire un petit quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, je... Il y a une taxe pour ça, il y a une taxe. J'appairai. Bon, regardez la caméra et acquittez-vous. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à mon fils, aujourd'hui, 45 ans. Happy birthday, Toyo! Happy birthday, comment il s'appelle? Christian! Happy birthday, Toyo, Christian! Happy birthday, Toyo! Vous n'avez pas pris le rideau, pourtant, regardez ce qu'il y avait derrière! Que le rideau s'ouvre, vous avez perdu ce magnifique auto-radio-télévision. Ça va. D'une valeur de 13 000 francs. Ça va. On n'a rien perdu. Nous sommes sauvés. Ah non, et vous passez par l'escalier, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Le deuxième gagnant heureux. Merci Ramucho. Salut les filles, à tout à l'heure. Nous allons jouer avec Patricia et nous allons jouer avec la voiture bâchée. Troisième deal. Merci. Patricia. Bella donna, Patricia, benvenuti. Bonjour. Bonsoir, Patricia. Ça va bien? Très bien. Bonsoir, Patricia, Bill, Patricia. C'est très joli. Vous auriez pu faire gaffe, ça déconne. Ça va, Patricia? Très bien. Vous nous arrivez d'où? De Reims. Ah, faites quoi là-bas? Étudiante infirmière. Ah, vous n'êtes pas encore infirmière? Ah non, pas encore. Très bien. Moi. Vous êtes marié? Non. Fiancé? Oui. Comment il s'appelle? Benoît. Benoît. Bien. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une 205. Ah! C'est une bonne voiture. C'est une diesel? Oui. Ah ouais, ça va dober hein, quand on... Je vous propose d'essayer de retrouver votre voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Hein? Et si vous arrivez à retrouver votre voiture, vous gagnez votre voiture. C'est bien. Si vous la retrouvez pas, on la garde. Ah bon. On se fait ça? Oui. Moi, je propose que le temps qu'on installe les voitures, vous ressortiez pour pas vous faciliter la tâche. D'accord. Ok? Allez, vous ressortez et nous, pendant ce temps-là, on fait rentrer... Les voitures! Allez, pousse, salaud! Allez! Sans. Oui. J'ai un truc à dire. Qu'est-ce que tu veux dire, Bill? Je veux que les téléspectateurs aussi peuvent gagner des voitures, Vincent. Oui, mais pas celle-là, hein. Ah non, pas celle-là, non, celle-là, on la joue pas, elle est beaucoup trop belle. Oui, chers amis téléspectateurs, vous aussi, vous pouvez jouer avec nous et essayer de gagner une voiture. Attendez, voilà, parce que Vincent était devant moi. Vous voyez, je suis là, Il vous suffit de composer le 3615 code TF1, ou alors regardez le numéro de téléphone qui s'affiche, le 08 36 66 90 03. Voilà Vincent, j'ai pas le moral, pas le moral. Et on va demander à notre ami de venir nous retrouver. Patricia, venez nous retrouver sur le plateau du Big Deal afin de découvrir la voiture bâchée. Bon. Alors, il y a ici quatre voitures que vous n'avez absolument pas le droit de toucher. Vous avez le droit de faire le tour. Et si vous arrivez à retrouver votre voiture par élimination, Bill vous offrira... Que dalle. Un cadeau. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce cadeau? Non, je peux pas en dire plus, je peux simplement dire qu'il coûte beaucoup trop cher. C'est-à-dire, tu peux nous donner un prix? Trois patates. Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, moi je pète les plombs. Hein. Entendez par trois patates, 30 000 francs. Hein. J'ai bien compris. Ça fait ça fait écu. Beaucoup. Oh oui, ça fait plein d'écus. Il y aura des culs partout. Bien, alors, éliminons une première voiture déjà. À votre avis, laquelle n'est pas la vôtre? Ça, vous êtes sûr que c'est pas la vôtre, ça? Sûr. Hein. À quoi vous voyez ça? Elle est trop longue. Donc on élimine celle-là? On élimine, sûr. C'est une... Une Jaguar. Eh ouais! Une Jaguar type... conduite par la belle Lynn. Voilà. Merci. Bien. Alors, on n'est pas loin des 30 000, là. Il faut en éliminer une autre. Celle-là, aussi on peut l'éliminer. C'est pas à vous ça? Non. On l'enlève aussi? Oui.
Alors, c'est une quoi? Mercedes. Ah, maintenant, regardez. Oh. C'est une... Jaguar. Oui, une MK2. Une MK2 avec dedans la belle Jimmy. Mon Jimmy. Merci, mon Jimmy. C'est gentil de nous avoir prêté ta voiture. Hein. Merci, les filles, de nous prêter vos bagnoles. Hein. Sympa, hein, sympa. Non, danseuse, c'est un métier qui rapportait dans le temps. Maintenant, c'est fini. Bon, alors écoutez, moi je vous propose un truc. Il en reste deux. Mm-hmm. L'une de ces deux est celle, est la vôtre, enfin celle de votre époux, je ne sais pas comment vous vous entendez là-dedans. Moi je vous propose une chose. C'est quasiment impossible de retrouver votre voiture, donc laissez tomber, prenez ce qu'il y a derrière le rideau. Non, je continue. Je continue. Pourquoi? Peut-être que derrière le rideau, il y a une voiture. Non, je continue. Vous allez le regretter, imaginez qu'il y a une bagnole derrière. Imaginez que derrière, il y a une voiture et qu'au sortir de ce jeu, vous n'arriviez pas à reconnaître la vôtre. On insiste. Ouais, je continue. On continue. Regardez s'il y avait derrière le rideau. Ça va vous énerver, ça. Hein. Il va vous quitter. Et oui, vous l'avez perdu. Et ça, c'est la première bonne nouvelle pour la Mipil qui a du style, car il vous fait perdre une voiture de 7 patates, 62 000 francs. Ça, pourtant, pour un paillot, je ne vous ai pas tenté. Hein. Bien, allez, venez. Venez là. Alors, laquelle des deux on élimine? On élimine celle-là. Celle-là? Donc, vous pensez que votre voiture, c'est celle-là? On élimine? Oui. Sûr? Oui. Parce que déjà, vous avez paumé une bagnole. Oui. Hein. Ah non, vous allez choper les boules. Hein, si on va vous appeler Raymond. Hein, si vous, il faut bien choisir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend celle-là? Oui. On élimine celle-là? Oui. Sûr? Oui. Ça a été un plaisir de vous accueillir dans ce jeu. Oh non. Marosa, mais que fais-tu là, Marosa? Mais qu'est-ce qui se passe, Marosa? Allons, Rosa. Mais pourquoi les autres voitures, les autres gaffeurs roulent dans des voitures de milliardaires que toi, tu roules dans une voiture pro comme ça? Non, ça pas... Donc c'est celle-là? Donc on va dire que normalement, la gaffette qui est à l'intérieur, c'est Benoît. Hein? On va dire ça comme ça. Allez. Mesdames et messieurs, la nouvelle gaffette, Benoît. Salut Benoît. Bonsoir Vincent. Soyez bienvenue, entrez. Bravo. Bonsoir Bill. Votre femme a perdu une bagnole à 70 000 francs. J'ai entendu ça, oui. C'est... Donc pour la frapper, vous attendez d'être dans les coulisses. Hein? En attendant, vous avez gagné un cadeau qui est de l'ordre de 30 000 francs. M'attendez, c'est qu'est-ce que vous avez? Tiens, c'est ça. Oh. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, Bill, qu'est-ce que c'est donc, Til, qu'est-ce? Bah, c'est une parure de bijoux à trois briques. Merci, c'est magnifique. Allez-y, passez-lui la bague au doigt. Oh non, elle est trop grande. Bon, on va la récupérer. Elle vous va? Elle est trop petite? C'est pas le bon doigt. C'est pas le bon doigt. Voilà, là, je vous appelle. Eh, sans déconner. Sans déconner. C'est ma femme qui va faire la gueule parce que j'ai piqué, parce qu'on n'avait pas les moyens. Je file les bijoux de ma femme. Qu'est-ce que vous faites? On va l'enlever parce qu'elle n'est pas encore gagnée. Hein. Elle n'est pas facile, elle est gagnée, elle est à vous. Maintenant, c'est à vous de savoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous la gardez ou vous l'échangez contre le rideau? On garde. C'est à vous. Ah oui, on garde. Vous le gardez? Ah oui. Sûr? Ah oui, sûr. Il y a peut-être une deuxième voiture. Non, hein. Là, non. Et imaginez qu'on ait mis une deuxième bagnole. Qu'on ait été vice-lard à ce point-là. Non, on a trouvé ça. Non, c'est très bien. Rideau! Vous l'avez perdu, quel dommage! Chapeau, perdre chapeau de forme d'une valeur de 789 francs. Je vous récupère la sucette. Merci Vincent. Merci d'avoir participé. On se retrouve tout à l'heure. Vous passez par l'escalier. Merci beaucoup. Les filles, remontez dans vos voitures respectives, dégagez le plateau et nous, tout de suite, on va enchaîner avec notre quatrième deal. Nous allons jouer avec Isabelle et le jeu de Bill, le jeu de l'extraterrestre débile, mais c'est un jeu qui a du style. Elisabeth! Salut Elisabeth, ça va bien? Ça va. Quel beau spectacle de voir ces voitures partir. Bonjour Bill. À moi ça. Bill, Elisabeth, Elisabeth, Bill. Bonjour. Isabelle, bonjour. Pardon, excusez-moi, venez là. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie donc? Je prépare le concours d'infirmière. À vous aussi? Oui. Vous nous arrivez d'où, Isabelle? De Caen, dans le Calvados. Très bien. Vous êtes mariée? Non. Fiancée? Plus ou moins. Enfin, vous avez une aventure durable? Voilà. Ça fait combien de temps? 2 ans. Ah. Vous connaissez le jeu de Bill? Oui. Si vous découvrez le premier indice, vous gagnez 10 000 francs.
Ensuite, on enlève 1000 francs à chaque fois et ensuite, bah, vous jouez avec votre pognon. Hein? D'accord. Bill, qu'est-ce qu'on doit découvrir aujourd'hui? Un objet. Un objet? Courant usuel domestique? Courant usuel domestique. Allez, mettez le casque sur vos oreilles. Mettez le casque sur vos oreilles. Il faut découvrir un objet usuel courant. Bill, nous écoutons le premier indice. Coucou. Je suis un organe essentiel d'une voiture. Ah bon? Ça va, toi? Oui, ça va, et toi? Un organe essentiel. D'une voiture? Oui, un organe essentiel d'une voiture. Le moteur? Oui, mais un moteur, on le retrouve pas dans une maison. Hein. Ah, C'est trop tard. Allez, deuxième indice, elle a pas trouvé. Non, bah, pas trouvé. Ça fait 1000 francs de moins. Deuxième indice. Oh, Marosa. Alors, au feu, je suis un plat. Il y a une idée déjà dans le public, là? Je vois pas. Non. Honnêtement, je vois pas. Non. Au feu, je suis un plat. Ouais. Allez, je suis un organe essentiel de l'automobile. Ouf, pas. Non, n'a pas trop vite. Oh, la belle ligne. Alors, les chanceux n'en manquent pas. Ah, bah oui. De quoi? Les chanceux n'en manquent pas. T'as pas le droit de souffler. Hein. Les chanceux n'en manquent pas. D'argent? Non. Non, oh, pas trouvé. Ça vous a... Dernier... Oh, ça... Dernier indice. Ça vous a échappé. Non, non, allez. Pas trouvé. Ah, Clarisse, pour la bonne. Je peux être catalytique. Le pot. Et le pot. Le pot d'échappement au plat, au feu, ça peut être un plat. C'est la poule au pot, le pot. Enlevez votre casque. Okay. Les chanceux ont du pot et le pot catalytique, bien sûr. Bien, ça nous fait 7000 francs, ça, Bill. Oui. Ah ben, t'es content, c'est 7000, 3 au lieu de 10 000, tu gagnes 3 000. Oui, oui, c'est vrai que je l'aime bien. Bien. Isabelle, vous avez la possibilité de garder vos 7000 francs ou de les échanger contre le rideau ou contre l'écran. C'est votre fiancé? Avec la casquette, ouais. Où ça, avec la casquette? Voilà. Ah, d'accord. Oui? Oui, je prends le rideau. On prend le rideau? Oui. Prenez pas 7000 francs. J'hésite. Non, je vais prendre le rideau. C'est... Prends le je suis rideau. Là pour jouer, ouais. Ok, vous êtes là pour jouer, vous avez décidé de jouer. Regardez ce qu'il y avait dans l'écran avant de découvrir ce que vous avez gagné. Derrière l'écran se cachait pour vous un très joli cadeau, une bague d'une valeur de 2930 francs. Alors, derrière le rideau, se cache-t-il? Moi, je crains le pire. Hein. Ouais. Vous aimez la guimauve? Oui. Vous avez de bonnes dents? Oui. Bah, vaut mieux, hein, parce que oui. Voilà ce que vous avez gagné. Isabelle, c'est la plus belle grâce au bonbon de Bill. Grâce à elle, je retrouve ma santé, ma forme légendaire. C'est un cadeau de 200 francs. Merci pour les 6800 francs. Isabelle, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Passez par les escaliers. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Nous avons quelqu'un au téléphone. Allô? 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 C'est Marcel? Non. Marcel? Non. Qui c'est? C'est Arlette. Arlette? Vous êtes dans quel coin de la France, Arlette? Je suis dans la Vienne. Arlette, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau. Merci. Arlette viennoise. Oui. Soyez la bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Arlette? Je suis une grand-mère. Quelle chance vous avez. Vous êtes mariée? Oh oui. Comment s'appelle votre époux? Claude. Très bien. Vous avez combien d'enfants? 6. Salut. Salut. Faut la laisser dormir des fois, hein? Oui. Et vous avez combien de petits-enfants, Arlette? 13. Eh ben. Et un arrière-petit-fils. Quel âge il a, le petit dernier? Le petit dernier a 3 mois. Oh, tu pépère. C'est celui que vous avez bouffé à Noël? Oui, oui, oui. Arlette, oui. Vous avez gagné un paquet de bonbons. Ah bon? Vous êtes contente? Ben, il m'en faudrait plusieurs pour mes petits-enfants. On va régler ça. Vous regardez le Big Deal de temps en temps? Oui. Alors, l'animateur est tellement bon. C'est vrai. Non, non, il faut reconnaître les choses. Il faut remettre les justes choses à leur juste place. Arlette, on va se séparer quelques instants, on se retrouvera et puis je vous poserai la petite question quotidienne. Gardez-vous vos 200 francs de bonbons ou les échangez-vous contre le rideau, d'accord? D'accord. À tout à l'heure, Arlette, ne quittez pas. Quant à moi, eh bien, je vous propose de terminer cette émission comme on l'a commencé avec... Ah! Papa! Je vous propose de terminer cette émission comme on l'a commencé, dans le domaine de la voiture. C'est les 100 ans du mondial de l'automobile, mesdames et messieurs. On va jouer au Carball juste après la pub. A tout de suite.
retour sur le plateau du Big Deal. Nous avons Arlette au téléphone. Arlette, vous êtes toujours là? Oui. Arlette, grand-mère de 6 enfants, arrière-grand-mère de 13 petits-enfants et arrière-arrière-grand-mère d'un petit bout de chou. Vous avez fait votre choix, gardez-vous vos bonbons ou les échangez-vous contre le rideau? Je les échange contre le rideau. Regardez ce que vous avez gagné, Arlette, écoutez. C'est un festival, décidément, c'est un festival. Vous gagnez une télévision 16/9 d'une valeur de 8 930 francs. Oh, moi je dis stop, j'en peux plus d'offrir tant de cadeaux. Merci mon bambin, elle est pas belle la vie, Arlette? Oh si, merci Vincent, merci. Vous gagnez... Gros bisous à vous et à Bill. Ah bah c'est gentil et puis ça fera plaisir à Bill parce qu'il est bien malheureux aujourd'hui. Ah bon? Je vous souhaite plein de bonheur et puis j'aimerais avoir une famille comme la vôtre pour fêter Noël avec... Combien vous êtes à table le soir de Noël? 25. Eh bah tiens, rien que ça. Bonne soirée et soyez heureuses. Bonsoir. À bientôt Arlette, au revoir. Bonsoir, merci. Allez à nous, on va terminer notre cinquième deal avec Stéphanie et Laurent et on va jouer au Carbol. On est parti, Stéphanie, Laurent. Laurent, soyez le bienvenu. Bonjour Vincent. Stéphanie, bonjour. Bonjour Vincent. On s'embrasse, ça se fait ici. Ça va bien? Vous ça êtes mariés bien. Tous les deux? Non, pas encore. Vous êtes fiancés? Peut-être, plus tard, on verra. Et pour l'instant, vous êtes ensemble? Pour l'instant, on est ensemble. Très bien. C'est pour moi? Non, c'est pour Bill. C'est pour Bill? Ouais, oui, oui. Bah, bonjour à Bill d'ailleurs. Montrez-le lui parce que sinon il va. C'est des petits dessins pour Bill, de la part de mes petits frères. Pour un gros bisou. Là, je vais leur faire. Comment ils s'appellent? Parce que je vais leur faire des bisous alors. Fabien et Alexandre. Fabien et Alexandre, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour ces beaux dessins. Vous nous arrivez d'où? Montpellier. Montpellier, très bien. Vous êtes de Montpellier aussi? Pas d'origine. Vous êtes d'où vous? De Seine-et-Marne. Très bien. Le jeu est très simple, voici une voiture qui a claqué une durite il y a quelques instants, donc il y a de fortes chances qu'elle serre avant la fin du jeu. Okay. Déjà elle va servir pour le jeu, mais après elle va serrer complètement. Donc vous allez vous mettre au volant, hein. Vous allez mettre votre personne à côté de votre promis. Alors, le but du jeu, il est très simple. Vous allez avoir Bill combien de temps? 1 minute 30. En 1 minute 30, il va falloir faire tomber un maximum de quilles. Mais attention, il ne faut les faire tomber qu'avec la partie arrière de la voiture, c'est-à-dire à partir de la portière avant, c'est plus bon. Ok? Bill, combien on offre par quille tombée? 1000 francs. 1000 francs par quille tombée. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 000 francs à gagner. 1 minute 30 pour tout ça. La première vers vous en haut, la marche arrière au fond en bas. On est prêt? Alors attention, je dis 3, je dis 2, je dis 1 et je dis go, c'est parti. Allez, moi je vais me faire Rémi Juliette. Voilà. Voilà. Oui, oui. Ah. Elle est bonne, et d'une. En voilà une. Et on a 10 000 francs, allez-y. Oui, voilà, il fait gueuler là. Allez-y, allez-y. Ouais. Faut la faire déraper la voiture. Hein. C'est bon, elle est bon, on en a deux là. On en a deux. Allez-y, roulez. La première. C'est que la bagnole, elle est pas fière. Hein. Oui. Et deux. Ça nous en fait 4. On est à 4000 francs. Bill, combien de temps il reste? 1 minute, Vincent. Il reste 1 minute. Allez, encore 15 secondes. Ouais, non, pas celle-là. Allez, on repart dans l'autre sens. Oh, ça fume. Ça fume, la voiture, elle ira jamais jusqu'au bout. Vincent. Allez-y. Oui. C'est bientôt le deal, Vincent, dans exactement 2 secondes. Deal. Top. Terminé. On arrête 1 seconde. Laissez souffler le moteur un peu. Ne l'arrêtez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez? Vous arrêtez là? Vous prenez le rideau? Vous avez gagné 4000 francs déjà. Il y a encore 6000 à prendre. On continue? On écoute ce qu'il y avait derrière le rideau? Ça va vous énerver. Hein. Rideau intermédiaire, écoutez. Et oui, vous auriez pu faire du tout terrain avec ce magnifique quad et sa remorque d'une valeur totale de 40 790 francs. Regardez, il arrive, vous l'avez loupé, il n'est pas à vous. Et c'est très bien, je suis très très content car je gagne 4 briques. Regardez-le, 35 000 francs le quad, 4 800 francs la remorque, 40 000 francs en tout. Attention, vous êtes prêts? Alors je dis 3, 2, 1 et je dis c'est reparti. Allez, roulez. Allez-y, allez. Oui, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle n'est pas assez rapide, elle n'est pas assez rapide. Non, raté. Il faut faire tourner la voiture. Hein. Il vous reste 30 secondes. Oh là, elle ira jamais plus loin, la voiture. Allez-y. Oh là. Oui, elle est bonne, stop. Allez, encore un coup, on avance. Allez, envoyez, faites tourner. Non, il faut braquer, il ne faut pas avoir peur. Non, raté, on est entre les deux. Prenez de l'élan et allez faire péter la orange. Allez, faites tourner. Non, c'est raté. Combien de temps il reste? Terminé, Vincent, c'est fini, terminé. Il n'y a plus de temps. Terminé, il faut tout arrêter maintenant, c'est terminé. Vincent. Terminé. Derrière. Ah, elle fume un peu, mes mères.
Là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là, mes chers amis téléspectateurs, mais que d'émotion. Et puis alors, moi, je les ai comme ça. Mais je vous rappelle que les finalistes du Big Deal ont d'ores et déjà gagné un abonnement de 1 an au magazine Télé Loisirs. Le voilà. Oui, et puis vous, chers amis téléspectateurs, vous avez envie de jouer avec nous et de gagner une télévision 16/9 grâce au magazine Télé Loisirs. Eh ben, c'est possible. Il vous suffit de résoudre l'énigme avec l'indice que je vais vous donner. Je suis un jeu d'adresse. Un jeu d'adresse, très bien. Alors si vous avez trouvé pour participer, vite envoyez votre bulletin réponse Télé Loisirs ou alors sur papier libre à l'adresse qui est indiquée juste en dessous de moi. Voilà, votre réponse sur bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre. Voilà, j'ai un petit peu tout mélangé mais j'ai pas tellement le moral aujourd'hui moi. Et maintenant mesdames et messieurs, l'extraordinaire, le très beau, le magnétique, le félin, celui que les Américains même nous envient, l'extraordinaire Vincent Lagan. On a gagné! Bill, il faut changer la voiture. Hein. Ça y est. Ne t'inquiète pas. Elle est morte, hein, celle-là, elle n'ira pas plus loin. Hein. Ils rappellent-nous ce qu'ils ont gagné, nos amis de Montpellier? 5000 francs. 5000 francs. Qu'est-ce qu'on fait? Eh, je suis à deux. Hein. Alors? On fait le rideau, quoi? Non. Prenez pas le rideau? On va les garder. Vous gardez vos 5000 francs? On va garder les 5000 francs. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Oh là là, ils vont avoir l'écrou quand ils vont voir que ce triangle d'arrêt d'urgence leur échappe d'une valeur de 67 francs. On revient de loin. Allez, restez avec nous. Vous allez avoir la possibilité de le remettre encore une fois en jeu. Mesdames et messieurs, voici le Big Deal. C'est par là. Et voici le Big Deal avec en première position Christophe, 41 000 francs. Deuxième position, Patricia avec 30 000 francs. Oh. Troisième position, Anne-Marie avec 16 192 francs. Oh. Et quatrième position, Stéphanie Laurent, 5 000 francs. Oh. Cinquième position, Isabelle avec 200 francs. Alors j'adore Isabelle, c'est ma copine Isabelle. Bon, vous avez gagné pour plus de 40 000 francs de cadeaux. Vous les gardez ou vous les remettez en jeu? Je les garde. Ouais, ça serait pas raisonnable. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. 30 000 francs de bijoux. Elle jubile, elle est là. Tu vois, elle était à deux doigts de dire, tu vois, hein, mais il faut venir à la télé pour que j'ai des bijoux. Hein, parce que si je devais compter sur toi, hein, ben, je serais toujours avec la gourmette de grand-mère. Vous les gardez? On garde. Vous avez bien raison. Anne-Marie, vous avez gagné quoi, vous? Un voyage en Espagne. Un voyage en Espagne, voilà. Plus, un Walkman. Un Walkman. Plus bien, des paquets de caramel. Ah oui, c'est bon, super. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben, je garde. Vous gardez le voyage je en Andalousie? Andalousie. Vous avez gagné 5000 francs. Mais on est venu un peu pour jouer de Montpellier, donc on va tenter le rideau. À 5000 francs, vous allez tenter le rideau? Oui. Tu me meurs, on va repartir avec ces bonbons. C'est pas grave? Non. Vous restez avec nous quand même? Oui. Hein, comme ça, on vous met bien les boules jusqu'au bout. Hein. Passez devant, les autres, décalez-vous un tout petit peu et vous restez avec nous quand même. Alors, il y a en rose la sœur Ulla, le frère Toyoyo et Madame Bill. La sœur rose. La sœur, ouais. Tu aurais dit quoi, toi? Vous voulez qu'on fasse un petit sondage? Parce que le public est généralement de bons conseils. Vous auriez pris laquelle, vous? Vous auriez pris la mère. Elle aurait pris la troisième, la mère. Vous auriez pris laquelle? La mère. La mère. Le frère. Le frère. La mère. La mère. Le frère. Le frère. Vous voyez déjà là, on est 4 contre 2 au niveau de la mère. Dans le public, qui aurait pris la mère? Oui. Qui aurait pris le frère? Oui. Et la sœur? Oui. C'est la mère qui l'emporte. Allez, à vous de choisir. Mais quand tu veux. Allez, on va prendre. On va essayer la sœur Abby. Je pense que c'est une erreur. La sœur, allez, la sœur. Eh ben on va tamper, on va essayer la sœur. Je vous assure, hein, vous allez le regretter. Faites-moi confiance. Ma confiance. Fais-moi confiance. La vérité, hein. Dis-moi la vérité, les yeux des enfants. Tu me fais confiance, toi. Un ami, un ami. Non, un ami, ouais. Un ami. Temps, ouais. Un ami. Un ami. La sœur. Arrête, la sœur, tout le temps. Comment elle m'énerve, celle-là. Regardez déjà ce qu'il y a derrière le frère. Derrière mon petit frère Toyoyo, qui est tout rigolo, se cache une magnifique télévision avec des enceintes valeur 14 360 francs. Où elle est la voiture? Derrière la mère, derrière la sœur? On va regarder la sœur. On est la mère. On va regarder la sœur.
On a la mère. La sœur. La sœur. Vous prenez la sœur une fois. La deux sœur fois, deux fois. Fois. La alors. Sœur trois fois. La sœur. Adjugée, vendue. Regardez ce que vous avez gagné. Derrière mon canon de sœur qui s'appelle Loli Lula, il y a, la collection de lunettes de Bill. Et ça, c'est une extraordinaire nouvelle. 193 francs, mes lunettes de soleil, je suis content. La voiture, elle était là, elle était derrière la mer. Je n'ai jamais menti. Une jolie voiture, Bill, dis-nous en plus. Une voiture qui vaut 7 patates et qu'on a réussi à sauver, Vincent. À très bientôt, mon ami Vincent. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. C'est sous le coup que sont en train de pousser les boules de nos amis de Montpellier. Ils repartiront chaussés de lunettes et nous repartirons en bagnole. Salut à tous, bye bye. Et n'oubliez pas, allez voir le salon de l'automobile. C'est extraordinaire, certaines années, il y a des trucs qu'on n'imaginait pas pouvoir voir. Salut à tous, bye bye. Au revoir, la mère.